tu mets sur ta profil pour naquer ma berbère. Ma berbère ne t'aime pas. Qui derrière elle? C'est une femme qui a les asticots. Tu es une femme de classe, de luxe. Il y a des gens que tu peux faire l'amitié avec eux. Ma berbère, non. J'ai dit que le direct, si. La personne qui ne partage pas, je te bloque. Oui. C'est ça. La personne qui ne partage pas, j'étais avant-goût. Je ne bois plus. Je ne fais plus les mauvaises choses de nouveau. Donc j'ai de quoi si ça encore simple. Renaissance. Partagez. S'il n'y a pas 100 personnes. Ok, elle n'a pas un direct flair divine. Partage. Bip là, qu'elle vient s'asseoir parce que aujourd'hui, je la bip au. Je bim ma femme. J'ai béni les chapelets. Celui qui veut appeler, je vais lui envoyer ça par moi. D'accord? Partagez que 100 personnes se connectent. 100. On parle. Parce que moi, j'en ai mal. On parle. Moi, je frappe. Moi, je toujours dis. Moi, je ne gère pas le Nyamanyama. Le reste que j'ai fait le mois passé là, c'était juste le Nyamanyama comme ça parce que c'était histoire de famille et tout. Je voulais juste montrer, dire ce que je pense, quoi. Mais ça, là, ce n'est pas ma cible. Je ne veux pas fabriquer les Nyamanyama. Je ne vois pas où partager. Bijoux de mamie, mon bébé. Partage dans le inbox. Bijoux de mamie, la fois dernière, toi, tu m'as porté chance. Pourquoi tu n'es pas venu en première? La fois dernière, toi, on a travaillé, hein? Tu as vu comment notre direct là, ça passe. Il faut partager, mon bébé. Bijoux de mamie, partage. Il fait que ma berbère sache qu'elle n'a pas de place sur la toile. Quand je connais ma berbère, elle a un ventre plat. Elle dit aujourd'hui qu'elle a le micro, les fibres et tout ça, la machin. Les fibrons, c'est un truc qui est dans le sang. Ça vient depuis, c'est depuis la naissance que les fibrons, ça grandit aussi. C'est un truc comme les gènes. C'est le sépan, sa sorcellerie qui était dans son ventre qu'elle est partie enlever. Et maintenant, comme elle a levé le sépan, là, j'ai fini avec elle. Ma berbère, je te donne 3 jours, tu vas mourir. C'est moi qui te dis. J'ai dit, partagez-moi le direct. Je m'en fous des menaces que je vais te donner. Je t'ai dit que cette fois, c'est juste sur toi. Tu vas manger ta chair comme ça. Tu vas couper comme ça. Pendant ces 3 jours que je te donne là, on va te retrouver dans ta maison. K.O. Tu as compris ce que je t'ai dit? On va te retrouver dans ta maison. K.O. Oui, mon bébé. Oh, Kameko. Oh, mon bébé. Merci pour te rappeler. Elle-même avait dit ça. Dans... Oui, mon bébé, c'est Lolo Marco, pardon. Moi-même, je dis ça, c'est parce que j'ai oublié, non. Bébé, tata, Lolo. Bien, ça, je finis avec sa copine de 25 ans, de 30 ans. Ou c'est des copines de quoi, oh? Je ne sais pas. J'ai toujours dit, je ne veux pas te voir avec des copines. Elle ne veut pas comprendre. Oui, mon bébé. C'est Lolo Marco. Tu as partagé. Kameko partage. Tout le monde qui est là, partagez sur votre mur. 3-3 partagés dans le groupe. 3-3 groupes. Pas beaucoup, parce que tu partages beaucoup. Beaucoup va restreindre ta page. Maman, il y a quelqu'un qui m'envoie la tête de moi. Envoie le cœur. Parce que moi, j'en ai mal que non. Elle s'en enchaîne sur Tata Lolo. Voilà, je suis née de nouveau. Écoutez. Je ne bois plus. Je ne fais plus les mauvaises choses. Maman, la terre de la mort. Elle est malade, elle a le sida. Ngringa a le sida. J'ai le. J'ai dit que j'ai un direct que je vais déposer sur la toile. Vous allez pleurer. Aujourd'hui, là, ça va percer que. La mère Bran, tu es là, tu dégages. J'ai dit que je donne 3 jours à ma berbère. Ma berbère va die. C'est moi qui te dis. Ma berbère a insulté les gens, insulté, tué même le cadavre 10 fois. Ma berbère, je te donne 2 jours, 3e jour. C'est moi qui te dis, je vais te montrer que tu vas die. C'est moi qui te dis. Tout le mal, le sale que tu as fait sur la toile, je vais retourner ça sur toi aujourd'hui. Je te dis aujourd'hui, demain, après demain, c'est ton dernier jour. Tu vas dire alléluia. Tu vas repentir ici là. Sinon, le 3e jour là, tu vas mourir. C'est moi qui te dis. Tu vas entendre que Facebook est dangereux à partir d'aujourd'hui.
Bibela. Merci mon bébé Kameko. Go back to Sena, Mbimole, Mbap. Tu dis back to Sena à qui? Tu pleures quoi ici? Attends, je regarde même l'ouf. Je te bloque. Je te bloque, Mbap. Que back to Sena. Jusqu'à tu as la photo de ma star sur toi. De la star de l'autre là. Sur toi. Attends. On dit quoi? Bloquer la mère quoi. Je te bloque, Mbap. Viens encore ici. Aujourd'hui là, je bloque sans pitié. J'ai dit que ma berbère, je te donne 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 2. Fort. Avant le 5. On va pleurer chez toi. Oui, c'est moi qui t'ai dit. Oui. Tu penses que tu es dur que qui? Tu penses que tu peux maudire les qui sur Facebook? Tu nous as déjà tout montré ici là sur Facebook. Aujourd'hui, je suis venu t'enterrer. Tu as compris? Je suis venu t'enterrer. Je suis venu aujourd'hui là pour toi. J'ai dit aujourd'hui c'est le 2, le 3, le 4, c'est ton dernier jour sur terre. Quoi? Tu vas lire, je ne veux pas entendre les plaies. C'est là que non, Bakusanda. Une femme qui a déterré, elle a tué les morts. 2 fois. Tuer tout le monde. C'est toi que tu veux me dire. Je dis que Bipel vient s'asseoir. Elle écoute ça. Je lance le courrier pour elle. Ma berbère, je te lance le courrier. Je te donne 3 jours à vivre sur terre. Tu as compris quoi? Tu as 3 jours. Aujourd'hui, demain, le 5, on va crier chez toi. Ce que tu as sorti dans ton ventre là, c'est ton serpent, ta sorcellerie. Les blancs t'ont trompé. Il fallait laisser ça gonfler là-bas. Bonjour bébé. Bonjour Véronica. Bonjour Kameko. Partagez. Bipe ma berbère va s'asseoir. 3 jours de vivre sur terre. Je te donne 3 jours, ma berbère. Je te dis que cette fois-ci, je ne te laisse pas. Oui, j'ai dit, je les donne 3 jours de vivre sur terre. Ma berbère, à ta veuve joyeuse, Elisabeth de Grémont. La même façon que tu as tué ton mari, tu as appuyé le cou de ton mari avec les têtes dorées là. Moi, mon Iboka te mange. Tu es déjà dans ma temple, c'est moi qui te dis. Je danse sur toi aujourd'hui, je danse demain. Après demain, on va crier chez toi. Et les asticots vont te manger. Vous blaguez avec votre bouche que vous faites partout sur Facebook. On t'a trop laissé. On ne pleure pas. Bijou de maman, bonjour, maman. On ne pleure pas. Il n'y a pas de pleurs. Quand les autres, ma sœur dit que ma star va mourir, vous ne disiez pas rien. Maintenant, c'est le bac tout ça que je suis en train de le faire. Parce que je consultais mes génies m'ont dit qu'elle va mourir bientôt. Le mot, là, c'est pas moi qui, c'est pas ma bouche là qui va la tuer. Je suis en train d'envoyer ce son message. Que mes génies ont dit que ma berbère va mourir dans 3 jours. Autour de 5, on va crier sur elle. Ma asiko. Et dès qu'elle meurt, les asticots vont commencer à manger son. J'ai dit que les asticots vont remplir toute la France à cause de ma berbère. Je suis venu pour blaguer avec elle. Tu penses que tu es dû avec les gens? Il serait très radical. Je devais faire ce degré hier la nuit. Toujours toi qui insulte les gens. Toujours toi qui demande pardon. Toujours toi qui as faim. Toujours toi qui es sale, dégueulasse avec le pied de chaussettes. Toujours toi avec le corps bizarre, le ventre avec des serpents qui marchent dedans. Toujours toi qui mordis les gens. Aujourd'hui, je t'ai dit, mes génies, je constate, mes génies, je dis que tu vas mourir dans 3 jours. Je suis en train de t'envoyer juste le message. Et je danse aujourd'hui pour toi. Je danse demain. Et après demain, je t'accompagne. Et ton esprit va rester dans ma temple. Oh, ma berbère. Ta fin de Facebook, c'est dès cette semaine. Tu as compris avec quoi? Ta fin de Facebook, c'est dès cette semaine-là. Je ne te laisserai pas. Je dis que je t'aide à construire ton âme dans ma temple. On va utiliser ton âme pour chasser tout le démon dans les forêts noires en Afrique. Parce que tu es méchant. Tu es une sorcière. Tu as compris avec quoi?
Tu es une sorcière. Je dis que ton corps, les asticots vont manger. Et puis je vais utiliser pour chasser tous les démons qui sont dans les forêts en Afrique. Oui. Bipez-moi Elisabeth de Grimaud, okay? Elle prend son tabouret et s'assoit. C'est moi la gabonaise, la fille de la Marani. Tu as combien quoi? Mienne. Je vais te prouver que tu n'es pas trop dur. Je vais te prouver que moi, je suis plus méchant que toi. Ta méchanceté que tu as fait, c'est la méchanceté de la famille. Mais ce que je vais te faire dès aujourd'hui, c'est de la vérité pure. Je vais te tuer, je vais appuyer ton cœur comme ça la nuit. Je vais m'asseoir auprès de ton lit et je vais appuyer. Ton souffle va finir entre ma main. Bab que tu es. C'est juste toi qui vas manquer de respect aux gens. On va toujours te laisser. Tu es qui? Tu es qui qu'on ne doit pas te tuer? Tu es qui qu'on ne doit pas te tuer? Tu es qui? Tu viens d'où? Tu es qui? Tu as quelle importance de la toile? Qu'est-ce que tu fais aux gens que les gens vont vraiment dire que non, toi tu es quelqu'un de bien? Tu es qui? On va toujours te laisser. On va toujours te laisser. Non, laissez-la. Ko, laissez-la. Ko. Mon bébé Kameko, on ne plaît pas ici. T'as compris quoi? On ne plaît pas, mon bébé. Toi-même, tu sais comment elle a tué même le cadavre de gens ici sur Facebook. On n'a rien fait. Elle a tué Ngoï, tué sa mère. Elles ne sont pas mortes. Tué Tata Lolo, déterré ses parents. Elles ne sont pas. Mais moi, je vais la tuer pour vrai. Je vais la prouver qu'avec une Gabonaise, on ne rate pas la cible. Moi, mes génies sont mélangés. Je suis toute Afrique entière. Ma berbère, moi, je vais manger ta chair des asticots. Dans ma table, je vais danser, je vais m'asseoir, je vais danser le tam-tam. Tu as compris quoi? Je vais te faire comprendre que quand une Gabonaise parle, elle ne rate pas. Tu as compris? Quand je te laisse, toi tu es qui? Tu es qui, quoi? Maman, on ne pleure pas. Toi, tu sais bien qu'elle est habituée de tuer les gens avec sa bouche. Elle envoie, ça ne marche pas parce que les gens sont protégés. Mais moi, je vais envoyer, ça va marcher. Parce qu'elle n'a plus rien. Son serpent sont sortis. On a enterré ses serpents à l'hôpital. Tu as compris quoi, ma berberie? Elisabeth de Grimaud. Elisabeth est foi. Elle a pué son mari. Vous voyez comment une femme en train de finir langsam, langsam. Elle part de jour en jour. Le sang de Grimaud marche. Le sang de Grimaud pleure. Le sang de Grimaud crie la justice. Cette fois-ci, je vais me venger de Grimaud, le sang, son sang. Je me venge de sang de Grimaud. Ma berbe, tu dois partir retrouver Grimaud. Oui, tu dois partir retrouver Grimaud là où il est. Moi, je ne te laisse pas. Grimaud doit t'utiliser. Tu dois travailler pour lui dans le monde des morts. Parce que tu es sa cible. Depuis, il t'a trop attendu. Il n'y a personne pour t'amener. Cette fois, je te conduis chez Grimaud. Tu as compris quoi? Je donne 3 jours sur terre. Dès le 5, on va crier dans ta maison. Les asticots vont remplir les escaliers jusqu'à la frontière de chez Machang là-bas. Mbab, que tu es. Tu vois, on va te laisser faire du sale sur Facebook. C'est toi seul. C'est toi seul. Tu es habitué de faire du mal aux gens. On te laisse. Tu insultes les gens. Depuis que toi, tu m'avais supplié, tu m'as dit que s'il te plaît, maman, ne m'insulte pas. Je t'ai dit que moi, je ne t'insulte pas. Laisse-moi ça. À une condition. Je t'ai laissé plusieurs fois. Depuis que tu es sur ma star, tu es en train de l'insulter. Tu as essayé même de tuer ma star l'autre jour. L'autre jour, je marchais la nuit, je t'ai trouvé. Ton esprit cherchait quoi? Dans l'entourage de ma star. C'est là où j'ai capturé ton esprit. Je consulte mes gens, dit que tu vas mourir bientôt. Moi, je te conduis dès 3 jours, tu pars. Tu pars. Oui. Tu vas pas. Je dis que je vais finir. Quand je suis en train de faire le clash avec une Camerounaise, je ne ris pas parce que mon sang n'appartient pas aux femmes. Mon sang n'appartient pas aux bambiniquets. Donc, zéro pitié. Partagez-moi. Qu'est-ce que c'est? Laisse-la, sister. Elle ressemble déjà à une femme qui fera. Quoi c'est? Tu dis quoi c'est? Ça, c'est ton problème, tu sais. Pardon, je sais que vous êtes trop tard, tu es tard, tata, vous êtes toujours en train de dire que laissez. Moi, je ne laisse rien. Aujourd'hui, je suis sur elle. Demain, je suis sur elle. Après demain, je suis sur elle. Je la conduis à la mort. Je dis qu'aujourd'hui, c'est le 2.
Le 3, le 4, c'est son dernier jour. Le 5, on va crier. Elle va mourir. Les ascots vont remplir tout son entourage. C'est moi qui dis à ma berbe Elisabeth de Grémont. Oui, tu as trop fait du sale sur Facebook. Ta fin est déjà proche. Je suis en train de t'accompagner seulement. Pourquoi tu pars vite? Parce qu'il ne faut pas que tu souffres, tu te déshabilles. Oui, j'ai consulté. On me dit que non, tu vas mourir bientôt. Je dis non, il faut que je fasse vite, 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 pourquoi tu pars? Parce que Desgrémont, son sang pleure. Desgrémont pleure le vengeance. Desgrémont a décidé que non, c'est moi celle qui peut l'aider. C'est moi celle qui peut l'aider. Pourquoi tu pars vite de le retrouver? Tu as appuyé son coin avec le thé doré. Tu as appuyé Desgrémont. Plusieurs fois, tu as empoisonné Desgrémont avec la nourriture. Desgrémont n'est pas mort. Un jour, tu as décidé comme ça, tu as décidé d'appuyer. Tu as pris le thé doré, tu as mis au cou, boum, appuyé le monsieur. Un veuve malheureuse. Une veuve malheureuse, veuve sorcière, veuve pauvre, à 20 ans de bengue, zéro rateuse. On peut avoir un enfant de 30 ans qui n'a même pas eu la baccalauréat, mais grandi en France. Quelle éducation tu as? Tu as quelle éducation? Tu as fait quoi? Pourquoi pas te tuer? Je te conduis une fois, tu peux retrouver God Desgrémont. Je t'ai dit, dès aujourd'hui, comptez 3 jours. 3e jour, c'est le 5. Elisabeth Desgrémont mourra. Elle va mourir. Vous allez voir que les asticots partout, ça va remplir jusqu'à chez Marchand même. Est-ce que je blague avec elle? Je ne suis pas venu pour blaguer. Go, c'est toujours elle. Elle insulte les gens. On peut insulter quelqu'un comme ça? Mais elle insulte les gens partout. Elle est partout avec les insultes. J'ai dit, la personne qui ne partage pas mon degré n'est qu'à partir. Si vous êtes là, montez et partagez parce que je n'écris pas. Quand elle insulte tata, vous n'êtes pas là. Quand elle insulte tata, vous n'êtes pas là. Donc, c'est moi qui assume parce que ça m'énerve, ça me fait mal. C'est moi qui ne dors pas. Donc, la personne qui est là, quand vous montez, la partagez. Ne venez pas pleurer ici que je ne laisse rien. Je ne suis pas la sœur de quelqu'un. Je suis une place avec tata Lolo. Donc, partagez mon degré seulement. Elle en fait trop. Elle m'avait supplié que pardon, ne m'insulte pas. Je ne veux pas que tu m'insultes. Elle m'avait supplié. C'est pour ça que moi, je ne les gérerai pas. Mais comme elle est âgée, moi, je l'avais dit, moi, je ne veux pas que tu insultes ma star. Laisse ma star tranquille. Laisse ma star tranquille. Elle continue à insulter ma star. Et quand j'entends qu'elle se calme, elle n'arrive pas à se calmer. Vous avez vu le direct qu'elle a fait avant-hier chez ma star? Vous pensez que je vais continuer à laisser ces merdes pour qu'elle a merdé la vie des gens sur Facebook? Une femme qui a tué beaucoup de personnes, tué même son propre mari. Vous pensez que je vais laisser? Je ne peux pas laisser. Pourquoi? Je ne peux pas laisser ces poufias et pourrir la vie des vraies femmes de Facebook et tout ça. Elle est toujours là en train d'insulter les personnes qu'elle n'arrive même pas. Moi, je ne laisse rien. Je ne laisse rien. Qu'elle vienne s'asseoir ici. Moi, je déclare sa mort devant elle. Dès aujourd'hui jusqu'à le 5. Elisabeth Desgrémont mourra. Ses enfants seront orphelins comme Tata Lolo est orphelin avec ses parents. Oh, ah. C'est moi qui dis, moi, je ne vous demande rien. Je ne négocie avec personne qu'elle doit mourir. You're gonna die. C'est tout. Qu'on se repose, on en a trop mal. La salité, c'est toi, tu salis, tu empoisonnes les gens avec ta poufiasse de nourriture. Tu as trop fait du mal aux gens que non, à cause de l'argent, on ne comprend plus rien. Avant, tu travaillais, tu partais faire des petits brigoles, tu gagnais tes 500 euros et tout ça, tu as laissé tout, tu as décidé d'empoisonner les gens. Tu insultais les mamans des gens. Maxine, ça ne veut pas la peine que tu regardes ce live. Parce que c'est une salité. C'est une femme qui n'a plus de vie. C'est une femme qui a décidé de nuire le gens sur Facebook. Parce que la manière qu'elle a fait pour tuer son mari. Son mari ne laisse pas. Son mari s'assoit que sur son lit. Oui. Marie Mélanie Angel, oui. Le 5 novembre, on va crier les asticots. Les asticots vont se noyer comme ça là devant sa porte. Suivez seulement les asticots, vous allez trouver ma berbère allongée. C'est moi qui dis. Ma berbère. You're gonna die. You don't merit to live in this world. You're gonna die. We don't need you anymore. Tu dois partir. On ne veut plus de toi sur terre. Tu nous déranges. Tu as déjà trop empoisonné les personnes sur Facebook. Elle a tué combien de personnes avec sa bouche? Tué les gens. Elle a déterré même le cadavre tué. D'une femme, des femmes battantes.
Mais on laisse, on pense que non, elle est malade, elle doit suivre un traitement et tout. Mais personne, ses deux enfants, ne peut pas l'amener, elle suit un traitement. Pourquoi elle vit? J'ai consulté ses esprits, on dit qu'elle va mourir bientôt. Moi, j'ai dit à ses esprits, est-ce que, parce que depuis là, je trouve Degremont, son esprit m'a haché partout. Il dit, mais Degremont, qu'est-ce que tu fous là? Degremont dit, elle veut partir avec ma berbère. C'est ma berbère qu'elle est tuée. Oui. Moi, j'ai dit, ok, Degremont, je vais t'aider à finir avec ma berbère. Comme ça, tu l'amènes direct. Cité de la mort. Et son corps, on va brûler ça. J'étais dans la forêt de mort en Afrique. Parce que c'est une sorcière. C'est une sorcière, ma berbère. Tu as partagé le diga Marie-Mélanie. Partage là-bas avant de venir pleurer ici. Tu as compris quoi? Quand elle insulte ma star là, toi tu n'es pas là. Quand elle insulte ma star, toi tu n'es pas là. Ok? Non, moi je ne suis pas ma vadima. Elle, c'est elle qui est ma. Elle a au moins 50 ans. Moi je n'aime même pas. Elle me dépasse moi à 12 ans ou 13 ans. Je ne suis pas ma, pardon. C'est elle qui est vieille. Tu me dis, mais c'est là qu'elle insulte ma star, toi tu envoies les cœurs. N'importe quoi. Et moi je vais vous laisser. Hein. Et puis, tu as effacé encore le commentaire. J'ai dit que tout ce que vous écrivez là. Bipez maman à ce que ça soit ici. Elle écoute. Dieu a répondu aux prières de Degremont. Dieu m'a envoyé. Venez dire à ma berbère que si elle devait mourir en décembre, on fait ça au coup. Dans 3 jours, ma berbère part. C'est moi qui vous dis. Elle dit que dès le 5, vous allez entendre les cris là-bas. Elisabeth Degremont est mort. Les asticots vont tout sortir dans la maison. Les asticots de la sorcellerie. Moi, je m'en fous de ce que vous entendez dire là. Ça, c'est pour vous. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Vous allez que pleurer. Moi, je ne pleure pas. Parce que quand elle lave ma star. Merci. C'est une diablesse. Merci. Merci. Je n'ai pas compris ton message. Merci. Une vraie diable que vous voyez là. La fille là. Une sorcière. Une fille, elle a décidé de nuire aux gens sur Facebook. Elle a décidé qu'on n'aura pas le départ. Que zéro paix. Nami Wata. Que zéro paix. C'est elle seule qui va nous montrer que non. Non, maman. J'ai fini avec toi. Moi, je ne suis pas venue. C'est la pourrie. Moi, je te laisse parce que c'est toi qui me dit. Non, s'il te plaît, tu m'avais appelé, tu étais venu dans le direct de quelqu'un, tu as dit que s'il te plaît, je ne veux plus que tu m'insultes parce que je n'ai pas de poulet avec toi et tu m'as supplié que je ne t'insulte pas. Je t'ai dit, tu laisses master. Oui, c'est une diable incarnée. Oui, ma berbère, Elisabeth Degremont, à quoi veuve joyeux. Bipez-moi, la blogueuse. Elle s'appelle quoi, c'est les quoi? L'influenceuse ou c'est l'influenceuse blogueuse internationale d'État. Ce qui est arrivé au Cameroun. Pendant la carte, elle a pissé sur elle, elle a chié sur elle. Une sale chienne comme ça, la ma pisseuse. Elle a pissé sur elle, elle a chié sur elle. On l'a rifoulé, elle et sa mère. Tata lui a pris le brassard de la canne. On l'a rifoulé, elle a chassé. Elle a pleuré toute sa vie. Elle s'est déprimée. Voilà la pauvre Natacha qui parle. Ou Sekou. Aujourd'hui, elle est sur Natacha. Vous me demandez de laisser une femme qui nuit aux gens. Elle est là juste pour faire du sale, pour faire du mal aux gens. Bipez-moi tout le monde. La personne qui ne partage pas mon direct, je te bloque. Point. Parce que j'en ai mal. Elle veut montrer aujourd'hui qu'elle aime trop Ngoy. En oubliant. Oui. Oui, c'est Dario. C'est l'effet des drogues et puis la sorcellerie. Qu'elle a mangé trop de fétiches. Merci, Joseph. Merci, Joseph. Elle est très méchante. Et c'est, maman, je vois le commentaire. Tout commentaire aujourd'hui sera bloqué. Je vois, avant que vous commentez, j'ai déjà lu. Merci. Le direct est clair aujourd'hui jusqu'à partager 100 personnes. On va écouter un enregistré. On va écouter comment ma berbère est en train de finir avec l'angoisse, avec mamie Mbouma. On va écouter comment elle finit avec mamie Mbouma. Elle finit avec Mana. On va écouter comment elle dit que Mana va mourir. Hé hé. Oh, Colo, on peut faire ça. Et quand c'est moi qui parle, vous venez dire que non, que
Je ne parle pas. Bonjour, bonjour Kira. Tu as partagé mon... Connectez-vous et surtout partagez, parce qu'aujourd'hui... Hein, connectez-vous, partagez, abonnez-vous sur cette page. Puis c'est là... Désormais, c'est ici là que j'ai fini avec les gens, avec ma berber et puis Ngoy, mamie Mboma. C'est moi, je suis venu ici là pour rire. Je suis pas venu ici là pour rire, hein. Je suis pas venu ici pour rire, je suis venu ici pour finir avec Ngoy et puis ma berber. Tu vas te traumatiser, ma berber. Je ne suis pas ici là pour que toi tu me dis des choses à faire. Comme tu as décidé que tu n'auras pas, que Tata Lolo n'aura pas la paix. Toi, mais tu n'auras pas de paix. Bonjour, Essombe. Bonjour, Ijuni. Ça va? Partagez. Partagez le direct. Zéro distrait. On ne me distrait pas. Partagez. Non, c'est pour ça que c'est ça. Toi, tu avais un dossier de, comme ça, Flor. Non, ton pardon est caduc. Écoutez, rejetable, moi je te rejette, tu ne représentes même pas la société française, tu ne représentes même pas le Cameroun et tu ne représentes même pas ton ennemi. Partager, la personne qui ne partage, je te bloque. Raté-rate, tu attends, non. Et que raté-rate, c'est toi. Tu as tout raté dans ta vie. Hein? Qui m'insulte ici? Maman, pardon. Quitte d'abord notre page. Donc voilà. Ici, nous, on bloque, nous, on n'est pas là-dedans. Donc oui, je te réponds. Mais fait, mon anniversaire, ton anniversaire, cette année, je n'étais pas sur tes choses anniversaires. Oui, il faut qu'on parle des autres qui a eu cette intensité à Facebook. C'est toi qui as mené des autres. Hein? Tu sais très bien qui est Nadia Baba. Tu sais très bien qui a vu la femme avec qui tu es amoureuse et tout. Que tu peux tuer pour elle. Hein? Vous commencez vos bazanes, vos conneries dans les WhatsApp. Ça va nous trouver à Facebook. Nous quoi dedans? Enfin bref. Je parle de moi. Tu me souhaites joyeux anniversaire, tu sors le Moscato, tu dis que ce que je bois, que je suis alcoolique. Pardon. Qui a commencé à boire le Moscato ici à Facebook? Ce n'est pas toi. Tu veux que tu cites la genèse des réseaux sociaux? Il y a tes anciennes vidéos. Tu as tellement fait des milliards que les gens ont oublié ta genèse. Le Moscato, qui commence à boire le Moscato ici? Qui saoulait comme un poisson pourri dans les réseaux sociaux ici? Ce n'est pas toi qui bois le Moscato. Bon, je bois ça, pas que j'aime bien. Parce que j'aime tout ce qui est sucré. Hmm? Que quoi? Puisque tu me souhaites l'anniversaire, me dénigrer, tu veux me dénigrer. Moi, j'étais pisse à l'arrêt, j'étais chier à l'arrêt, parce que tu ne représentes rien, même devant mes yeux. Tu n'es rien. Tu as raté ta vocation. Hein? Tu devais être comme Nathalie ou quoi? Que, comme les cocos et mille enfants. Elle aussi, c'est un cas. Hein? Tu devais être. Maman, tu devais acquitter mes réseaux sur le puits. Regarde les cochons à mon chien qui sont arrivés hier. Regarde. Elle est en train de payer un pavillon. Hein? Moi, je suis pas avec vous. Voilà, les Apoutchou sont arrivés hier. Les Ayarobe, les Leslie, et toi, tout ça. Tous ces petits filets qui sont arrivés hier. Moi, je parle de l'autre côté. Tu es où dans ça? C'est toi qui raconte l'amitié à tout le monde. C'est toi qui n'es rien. Tu es celui qui? Moi, j'étais comme un cafard. Tu es là, monte depuis entrer des terres dans ma vie. Vraiment. Donc, peu importe que tu me suives. Merci, Chantal. Tu peux montrer quoi? Parce que tu es jalouse. Oui. Tu es les jeunes, les prostituées. Tu sais qui est prostituée dans mes amitiés? C'est toi. C'est toi que ta vie sort chaque temps dans les réseaux sociaux. Ta vie de ta maman. Tu es obligé de porter un chien qui pue, qu'on appelait Finou, le chien de ta maman. Qu'on devait vivre avec ton pauvre frère. Tu es parti gâter le malade de ton pauvre frère avec Connecté. Parce que dans ta vie, tu n'as jamais rien fait. Tu n'as rien oublié. Pas d'argent. Ce n'est pas pour toi. L'enfant, tu n'as pas. Ou Pichou, Chichoupi, ou c'est qui, ce n'est pas ton enfant. Comme on a dit, l'enfant arrivé ici dans le jeu, quand il a 18 ans, comme la grandeur du territoire français, il doit choisir, il est devenu français, mais pas par toi. Tu as aidé qui dans ta famille, tu as fait quoi? Son enfant n'a même pas français. Que tu as tes soeurs qui sont handicapées, tu as une soeur handicapée. Non, pas que tu étais une fille unique, hein. Tu es devenu dans les réseaux sociaux avec un ramassis de mensonges. Alors moi, je suis ta merde. Tu n'es rien. Et que tu ne me vaux même pas. Et tu es. Même, j'ai dit que même mon tour de ta gobe que j'ai enlevé. Partagez. Ou bien je vais couper le direct. Partagez. Bipez-moi tout le monde. Tout le monde a le droit de partager mon direct. Tu as déshonoré ta famille bamie, que tu n'es plus rien. Tu fais même le gros goudou. Tu entends, non? Tu veux expliquer qui? Je choisis. Hein? J'ai dit que je choisis où je veux. Je choisis où je pars.
J'ai dit que rien n'est bio, c'est ma personne aujourd'hui, demain, après demain. Que les abeilles. Il y a une petite fille abeille qui t'a aidé. Où sont les vraies abeilles étaient où? Tu étais devenu seul ici, tu as porté la tenue militaire pendant 3 jours. Partager. Partager le dealer. Yoko, Konan, tu dis que toi-même, depuis que tu. Maman, pardon. Ici, nous, on bloque, nous, on n'est pas là pour écouter les âneries. On bloque. Qu'est-ce que c'est ça? Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Veuille, il n'est rien. Elle est partie couper soya. J'ai dit. Donc, quand est-ce que tu me regardes à la fenêtre? Tu as coupé les. Tu as refait les. On a remonté les gros seins. Tu as coupé soya. Tu as refait les fesses. Pour venir tourner où encore les soirées africaines? Mais va au perché, va dans les grands milieux des Parisiens. Comme les joueurs Mungosa, les joueurs font la guerre parce que même qu'on est à de Monaco. Non, tu n'es pas la catégorie, tu es la catégorie sous-quartier. Oui. Donc, toi et moi, on n'est même pas ensemble. J'ai décidé que je veux que toi, non. Tout ce que tu vas faire va rater. Hein? Voilà Patricia May qui a réussi votre combat là. Hein? Partager. Non, laissez, je bloque. Vous voyez ça autrement, moi, mais dans la page principale, j'ai déjà bloqué. Donc, j'ai fait mon anniversaire le 14. Tu es jalouse. Parce que moi, je ne demandais rien. N'est-ce pas, tu es un ami? Tu étais mon ami? Je t'ai déjà appelé, je peux te dire que envoie-moi quelque chose. Je ne sais jamais envoyé. Jamais. Parce que tu ne vaux rien. Oui, quand tu t'as fait du sale. Elle t'a fait, hein? Elle t'a fait. Je dis que, elle t'a fait du sale. Ici, laissez. L'anniversaire de quoi? Depuis quand je suis, je dois anniversaire à quelqu'un comme je l'insulte. Parce que j'ai insulté son âme. L'anniversaire. Vraiment, hein? Maman, tous les faux profits sont sortis. Wouhou, Flor baise le chien. Ne jamais dit Oui. Flor baise le chien gringa, hein? Compré pute, maman, le goût de ça. Tu renaises plein d'asticots et là, bonjour Mako, ça va? Tu as laissé les asticots de Surenes, pourquoi? Continue les histoires. Quel est maintenant être ton ailier gauche? Ailier gauche? Oui, c'est Ngoza qui est maintenant, qui pouvait savoir ça? Tu sais que je t'ai appelé, tu es Ngoi? Tu es le port de Foukoui. C'est moi qui ai sorti ça. Tes propres gens, quand vous avez la guerre ici, c'est les noms qui sont restés. N'est-ce pas, tu m'appelles Warrien, des gueules putes et tout ça. Moi, je m'en fous. Ça me chauffe, ça ne chauffe même pas au gouvernement, la joie. On s'en fout. Parce que tu es une femme qui est venue faire des ordres de la diaspora camerounaise. Oui. Tu m'as fait du mal. Tu as fait du mal à beaucoup de gens. Tu que les gens t'aiment. Les gens qui t'aiment, ce sont les petits abeilles, les petits gens qui sont démunis, qui te suivent encore là. Voilà. Oui. On t'a pas invité, comment on appelle ça, la canne, pourquoi? Je ne suis jamais d'être la canne, oui. Mais toi, vous pouvez t'inviter, non? On t'invite nulle part. Quand tu es au Cameroun, on t'a vu avec ton fils. On t'a vu avec l'autorité au pays. Non, tu viens de même engouement des copines. C'est-à-dire que les copines qui t'apportent rien de bon, que tu es là. Comment tu vas crier au Cameroun? Oh là, ton tu n'as fait ce tu commences à pleurer. Tu es assis, tu pleures. Tu te lèves le matin, tu pleures. Tu te lèves à midi, tu pleures. Alors que il y a tous les milliardaires là, au Cameroun. Que toi aussi, ils peuvent aussi t'aider. Qui t'a aidé? Personne. Elle s'est raconté que Derek Tata Lolo pour parti. Dans la médiocrité. Voilà ta mère là qui souffre partout. Qu'on jette, on rejette partout. Comme un sac de macabre. Écoutez. Qui est pourri. Tu vois que moi, ma mère, je vais faire venir ma mère en France. Pour venir vivre dans cette situation. Question. Mais bon, on ne sait pas toi qui a fait venir ta mère en France. C'est les amis de Compiègne là. C'est la fille qui était ta grande soeur. Et c'est passé par les via de. Clarisse, notre fille là. Hein? C'est Clarisse, Clarisse Market, la femme du banquier. C'est elle qui t'a fait tous les papiers, là, la porte de son mari et tout ça. Que tu as fait venir ta mère. Ta mère n'a pas pris Air France venir. Si ta mère a voyagé par Bénin et tout ça pour venir. D'où les problèmes des papiers de ta mère. Tout d'abord, quel statut en France pour dire prétendre que est-ce que tu peux faire un papier n'a pas besoin comment? Vraiment. Les papiers pour les gens en France. Tu travailles où? Vraiment. Hein? Elle a les billets. Je regrette. Les 7000 euros que tu devais me payer là. Je vais regretter. Je suis allé me payer ça aujourd'hui. Ngoy avait bastonné ma berberie. Elle devait payer ma berberie 7000 euros. Regarde-moi, j'ai tué les valises. J'ai tué les valises quand je m'en vais chez mes enfants.
Carcassonne. En dehors de ça, personne n'a jamais retiré les valises. Personne n'a jamais. L'autre jour, vous avez fait des annonces avec mon numéro de téléphone privé ici. J'ai appelé une amie. On a arrangé l'histoire. Maintenant, ça ne sonne plus. Qu'est-ce que vous croyez? Tout le monde n'est pas. Tu es dans les salles, tu es dans la salle vie. Tout le monde sait. Je lui reste une énigme. Il reste que oui, il y a eu feu, il y a eu. Mais tu as eu quoi avec le succès que tu as eu? Tu n'as eu aucun. Tu as eu le succès, oui, ça c'est vrai. Marie Laurence avait dit quoi? Écoutez l'histoire. Marie Laurence avait dit que vous devez partir au pays, ensemble, pour aller faire les nanas. Comme tu crois que tu es. Il y a pas de. Maman, qui t'a amené ici jusqu'à tu viens commenter? Marie Laurence, tu es parti faire. Tu es revenu avec Calamboura. Qui t'a amené ici? Là où les gens te saluent. Tu pleures quoi? C'est pas encore monté dans le direct. J'attends que ça monte dans le direct. Et t'as dit que tu repars. Et pas tu repars, tu as des infos au Togo. Et c'est moi qui a dit ce que tu es au Togo. Comment est-ce que tu es au Togo? Ouais, lesquels? Il faut savoir qui je suis. Tu es reparti au Togo, non? Voilà ta misérable vie. No sense. Tu crois que les édophiles, tout le monde là, ne nous regarde pas dans le noir. Ils ne savent pas qui nous sommes. Tu vois que la diaspora camerounaise ne nous regarde pas. Je te bloque tout de suite. Tu as raté ta vocation. Moi, maintenant, j'ai la chance. Je m'avais refait mes seins. J'ai tué mon petit mari. Maman, pas que mon derrière ne touche pas. Pas que moi, j'ai un derrière intelligent. Je dis, mon derrière intelligent ne touche pas parce que moi, j'ai un petit beau derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne me vante pas. J'ai mes petits beaux seins qui sont là. Il n'y a que mon petit mari. Même les mari, je sais comment m'habiller. J'attends, non. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne seras jamais rien. Quand on vit dans un engouement de mensonges, 8 mois de loyer, tu as entendu que j'ai un loyer ici, un pays. 8 mois de loyer, rien. Tu as quoi? Au fait, qu'est-ce que tu as toi? Même les enfants, tu n'as pas. Tu n'as pas ton temps à mentir. Oh, je ne suis plus avec Kouekou et tout. Ça fait des années que je ne suis pas avec Kouekou et tout. Mais Kouya. Kouekou et tout, mais les preuves qu'on était ensemble. Oui, elle t'a enregistré partout. Oh, oui, je suis parti, il y a une maison là-bas, la gare du Nord, là, derrière, là, hein, tu donnes 500, ça, je donne 500. Ça, c'est avant l'essai de moi, j'ai bloqué trois personnes. C'était que tu parlais de Lady Ponce. C'était au mois de septembre, non? Le 11 septembre, non? Et tu viens dire, je ne la connais pas, je ne fais pas ceci, non? Tu as ces derniers des incassa, moi j'appelle incassa. Qu'est-ce que c'est? Tu n'es rien. Même ces gens te défendent pour dire que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Maman, elle envoie les têtes de moi. Ouais, quand il n'y a qu'avec toi qu'on est parti. La façon qu'on a, on t'a menacé ici là. On t'a demandé, on t'a. Tu ne savais pas que maman. Le jour là, elle dit, donc on sort. Bon, je suis gentil et tout. Il y avait des Camerounais qui parlent avec elle, qui font le truc. Et Sandy, elle parle là-bas. Elle dit, vous savez, moi je suis ici en France. C'est cette fille qui. Donc, c'est comme ça qu'elle se fait. Elle me dit, c'est cette fille qui me cherche des problèmes. Je lui ai dit que. Qu'un camp, c'est quoi? N'est-ce pas? Je lui ai demandé, quand je t'ai demandé que, où sont tes abeilles, tu m'as dit quoi? Ah, n'est-ce pas, les abeilles te poussent toujours à faire des problèmes. Au moment venu, tu es seule. Et tu étais seule. Même moi, j'étais avec deux personnes. Je bloquais les têtes de mort. Toi, tu étais seule. Tu m'as fait passer là pour une drogue, pour une machine, tout. Comme c'était pas mon procès, moi je m'en foutais et tout. J'ai répondu. On m'a demandé que je voulais les indemnités, j'ai dit non. Parce que, j'ai dit non, pourquoi ne pas écouter l'histoire. On a sorti l'histoire de. Son histoire de FDL. Maman, on a sorti tout ce que tu as fait dans la vie. C'est-à-dire que. Toutes les agressions qu'elle a eu à faire aux gens. Les gens ont porté plainte. Donc, elle avait déjà un dossier épais comme ça. Moi, j'avais déjà un dossier épais. On ne me connaissait même pas. Donc, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Toi, tu avais un dossier comme ça, frère. C'est là que tu as. Et même les gens que tu parlais avec eux, quand ils ont compris. Ouais, il faut quand même faire attention. Vous avez déjà été condamné pour agression, avec le couteau, pour agression, avec les ciseaux, avec le tout. Fils de qui manque? Diamant noir, c'est vous qui m'entendez dans vos mondes là. Il fallait aller au tribunal. Tu attends, diamant noir. Hein? Diamant, hein? Comment je mens, pardon? Partez d'abord de mon mur. Ne veux pas être gens ici. Tu mens. On dit vous mentez, madame. On est tous et moi, on n'est pas dans la même école. Maman, il fallait aller comme ça. Après, non, ton mari dans le fameux problème de sa société FL. On lui demande.
Mais vous avez créé votre société avec combien là? Elle dit avec 1500 euros. Et puis l'avocate, hein, parce que c'est tous les avocats commis d'office que nous ne reconnaissons même pas et tout ça. Elle n'avait même pas d'avocat. On commence à regarder l'histoire et tout. Oui. Après, nous disons maintenant que. Mais votre société, quand on voit, c'est dans les 100 000 euros et poussière. Dans les 8. Eh, oui, Flore, tu as commencé à manger la bouche. Bref, là, c'était ton procès. Pourquoi il fallait venir dans le deuxième procès pour moi? Oui. Pourquoi je n'ai pas venu? Tu parles de quoi? Tu perds tout ce que tu fais parce que tu es dans le faux. Tu as menti ici pour le lendemain, c'est sorti. Question. Tout ce que tu fais, c'est le faux. Et tes appels là, qui sont dans les ducoutucou dans la tête, là, les gens là qui n'ont pas fréquenté, qui sont avec toi là, induits en erreur. Tu étais où? Voyez la petite saute là, saute qu'on appelle la lionne là. Les chevaliers ont monétisé sa page. Oui. Où elle a fait des erreurs, où vous avez retiré sa monétisation. Oui, vous avez. Je dis que vous, c'est hein, donc toi, avec ta bande de je ne sais même pas, je vais trouver un nouveau nom d'Inkassa. Vous n'êtes rien devant les chaînes des réseaux sociaux. Ngossa vous dépasse en tout. La page de Ngossa, normalement, a encore monétisé si je me trompe. Ta page est où? Tu bois chaque temps, tu es sous, tu te drogues partout. Je suis comme toi. Je suis une femme qui sort de l'île. Je m'avais fait mes petits. Mes techniciens de surface. Fais mes petites choses. J'ai gagné mon argent à métal. Toi, tu es parti monétiser ta page où? Avec les Youpougons, aujourd'hui, les Youpougons t'ont vomi. Tes pages sont encore monétisées. On t'a remis tes pages. Tu parles à qui? Tu peux parler? C'est du n'importe quoi. Qui est jalouse? Je veux être jalouse de Flore par rapport à quoi? Elle a quoi que je n'ai pas? Moi, j'ai mes enfants. Qu'est-ce que avec les gosses? J'ai mon bungalow. Je vais ma tour Eiffel. Flore a quoi? Hein? Pourquoi elle ne trouve pas un HLM? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a rien. Tu l'as réglé. Bonsoir, Lolo Herel. L'HLM qu'elle a pris là-bas depuis des années à Lyon, à Lille, c'est revenu à son fils. On ne pas que son fils, soi-disant son petit frère, vit là-bas. Frère, il est là quoi? Hein? Oui, vous avez mal parce que vous avez été dupé. Tu dois continuer à cotiser. Oui? Oui? Le diable les a aveuglés. Donc elle croit toujours à la réussite. Quelle réussite? À quel âge? Regardez là. Tu n'as pas fait les scènes, c'est pour qui? Pour venir t'asseoir à Facebook? Mais dis donc. Mais rapproche-toi chez les grandes filles comme les Natacha de Monaco, comme ça, qui sont. Maman, il fallait être belle, hein? Très belle! Quand elle avait fait l'histoire là, de sa porte, maman, il fallait avoir. Elle avait un beau petit corps, je dis qu'elle est magnifique. Tu ressembles à quoi? Maintenant, une grand-mère d'Amérique. Maman, tu te demandes le port de Foucault. Mouf, tais-toi! Tu es qui? J'ai toujours dansé dans tes anniversaires ici depuis des années. Tu me sois l'anniversaire, machin, tu ne peux pas me dénigrer, ma soeur. Je suis une femme qui vit. Je suis une femme respectée. Tu as jamais entendu mon nom et tu dois que wow, j'ai fait ça. Les gens affabulent. Papa, l'argent affabulé ici. C'est allé où? Tout le monde qui parle de moi, je suis une star. Je suis star puisque tu es une fiancée blogueuse et tard. J'étais une telle à Cannes. Et j'ai refusé de manger le kebab. Si c'est toi, tu manges sans. Vous là, vous allez manger sans parler. Moi, je ne mange pas la merde, moi. Enfin, je mange le kebab. C'est dans mon propre pays qu'on me met le bon varan, on me met la sauce d'arachide, on me met le bon poisson fumé du Cameroun, on me donne le kebab. J'ai dit que non. J'ai gâté tout, c'est vrai. Ça fait quoi? Au moins, je me suis exprimé. Donc, je vais quitter ces coulas pour aller manger quoi? Les kebab. Vous vous rendez compte? À Bastos en plus. Et les Warus. Donc, attends. Ce sont les. Ils avaient peut-être 100 employés, je ne sais pas, il fallait comment petits employés là, à quel prix on les paye, c'était n'importe quoi. Mais il fallait voir, tu sens l'esclavage moderne au niveau du Cameroun et tout ça, et tout le matin. Tu les vois, ce sont les seigneurs, les tuques, ce sont les qui? Et dis donc, moi je connais quand même la haute société de mon état, hein? Oui? Ah! Il fallait voir, et puis ils sont là, ils fument les chiches là. D'abord, il y a le kebab à Tchède, il n'y a pas la bière. Oh madame, ici, il n'y a pas la bière. Ici, c'est. Vous voyez quoi? Donc, non seulement quand on fait manger le kebab, en plus dans mon pays, il n'y a pas la bière. Maman, il fallait entendre l'histoire-ci.
C'est sorti. Bah oui. Je dis, bah attends, madame, on est où là? C'est là qu'on a appelé madame Mouchiki, qui a pété les plans ici, oui. Là, demain, nous a convoqué direct de Cameroun, direct de la France et tout. Vous croyez? Vous allez vous faire berner par n'importe quoi. Enfin, je mange des kebabs. J'ai eu à manger comme tout le monde. Ce sont les petits, on appelle ça les petits encadres quand tu as faim. Oui, parce que la famille ne crie qu'à la faim. Quand tu as faim, tu peux rien faire. Tu peux manger kebab. Mais moi, dans mon propre pays, on me donne les kebabs et tu viens parler de tout par la qui. Et c'est ce que c'était toi qu'on invitait la canne. Toi, on ne t'a jamais invité nulle part. Aucune autorité. On ne t'a pas invité nulle part. Voilà, Mireille Blanche qui est partie avec ma juste, même comme Mireille Blanche, je n'étais pas invitée là-bas. Elle au moins, elle n'est pas française. Elle, on a tout arrangé depuis le pays. Elle est partie représenter le Cameroun là-bas, là-bas dans leur histoire-là. Hmm? Tu m'entends? Toi, personne, aucune autorité, t'as jamais invité nulle part. Il n'y a que les soirées, les wesh, les wouré, qu'on t'invite. Et tu dis que tu es numéro uno. Moi, je suis numéro uno de Facebook parce que moi, j'ai quand même été invité. Et j'ai nagé au Mont Ferré. Toi, tu étais obligé de payer ton billet d'avion. Tu as voyagé à Air Bosa. Parce que Bruxelles est là, c'est Air Bosa. Oui. Moi, j'ai voyagé où? Direct Air France. Classe affaire. J'ai dormi comme ça. Avec le nouveau mari qui s'est monté. Toi, tu l'as invité où? Pourtant, on a connu ta force de frappe. Même et ton fils, il t'a invité où? Tu n'as jamais été invité par l'officier au Cameroun, donc tu n'es même pas blogueuse. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une sombre. Elle a été invitée au commissariat. Une cassation là. Tu sais qu'ils n'aiment pas qu'on se compare de leur gourou. Un gourou est échoué. Hmm? Après, tu attends qu'on l'invite aux États-Unis pour aller finir les chèches avec les femmes des États-Unis qui ressemblent aux hommes là. Tu parles de quoi? Tu parles de qui? Elle est en train de tirer dans les petites soirées. Les petites soirées à deux balles. De 200 euros, 300 euros. Qui? Quand elle dit que je me lève de n'importe comment, pas n'importe où. Non. Je suis fier de moi. Mon mari et moi, depuis des années, je suis dans mon bungalow aussi, que vous voyez. Mon mari a violé mes enfants. Mais alors, si mon mari a violé mes enfants, tu étais là quand il violait mes enfants. Ça fait quoi? Ce sont ses enfants. Alors? Et vous pouvez même les violer, même les donner, vous mettez même enceinte. Vous êtes tellement bête et idiot. Attends, non. Non, c'est un beau sang. Envoyez les cailles, ils sont en train de signaler. Le vol qui part direct au Cameroun, c'est le vol là qu'il faut. Écoute-moi le clash, mon bébé. Vous comprenez? Tous les vols, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et que tous les vols qui partent, Air France direct, Cameroun, Airline. Direct, ça c'est les vols normales. Les vols quand tout le là que tu veux pas le vol ici pour aller parler dans notre pays, c'est transit. Vrai ou faux? Hein? Attends, c'est le transit. Je dis que tous les vols que tu prends le vol ici pour aller prendre dans notre pays, ça s'appelle le transit. Donc c'est le Air Bosa. Donc le vol là, tout le monde qui prend Bruxelles Airline. Et je vous dis qu'il y a un problème, il y a une zone de turbulence là où quand tu prends Air France ici pour aller à Bruxelles, maman, connaissez la vie ne fait que c'est parce que c'est Air Bosa, dis donc, même ça arrive le même jour, c'est Air Bosa. Le vrai Bosa, c'est direct. De Yanni. Air Bruxelles, c'est le Bosa. Même si ça arrive le même jour, tu as quand même pris un tour pour aller dans notre pays, non? Ça s'appelle Air Bosa. Tu as pris quoi? Air Bosa, Air Bruxelles. Quand ça va même pas, tu prends un Maroc. Finalement, toi, tu sais, as filmé en première classe au jour. Tu sais, as filmé en première classe au jour. Moi, je vais remettre la vidéo. Là, je suis en première classe. Là, je dors en première classe. Tu peux être pas une première classe. Villageoise. Tu es une villageoise, dis donc. Tu es une femme de sous-quartier. Air France est meilleure, moi, Jamaduna. Elle parle de quoi? Donc, quand tu parles au Cameroun, tu as fait le bruit là-bas, tu t'en as allumé la radio, comme tu voulais entendre quand les petites radios de sous-quartier quand t'es vide là. Les radios de quoi? Il faut aller à 10 ans, 4, il faut aller dans les trucs. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu prends un Bosa, tu prends une femme qui parle un Bosa comme toi. Moi, je prends un Bosa parce que c'est mon niveau. Moi, j'ai pas assez de moyens. Mais quand moi, m'inviter au Cameroun, aller-retour, qu'on appelle Air France, first class, je suis couché comme ça, boum. Oui, j'ai dit que le kebab m'a fait rentrer en France, j'accepte. Toi, tu as monté,
tu montes où? Tu es un ange, tu sais même, tu sais ce qu'on appelle que, tu sais ce qu'on appelle que first class, ou bien tu sais ce qu'on appelle que business class, jamais. Tellement nous l'avons qu'elle souvent assis là où tu vas au Cameroun, tu ne peux pas. Parce que tu es une villageoise. Hein? Tu es une villageoise, on n'invite pas les gens comme toi. Moi, notre boss qui a eu au Cameroun pendant 3 semaines, on a parlé des influences de beaucoup d'États. Peu importe comment ça t'est sali. Mais nous, tout le monde connaît là le nom de Malik Zuburzen. On connaît Veuve Joyeuse, on connaît le nom de Fondia. Nous ne sommes pas n'importe qui. On ne connaît que la présidente. Toi, on ne te connaît pas. On te connaît seulement que tu as déjà avec les chiens, les chats, les chiens. Voilà les cœurs. Tu ne parles pas une influenceuse comme moi. Quand la déjà avec le chien, les chiens. Tu ne seras jamais rien devant moi. Tu vas dire quelque chose devant tes gens, c'est tout. Partagez le direct. Je ne vois même pas le dire. Nous t'en voulons laisser diminuer. Quand quand elle finit, acceptez ça. Elle vous a amené là-bas pour que vous allez commencer à dire tout. Regardez-moi les ratés. Elle vous a amené là-bas à Yupongo, vous allez commencer à die bientôt. Oui, jamais, tu as partagé le direct, Jeanne Lem. Vous voyez, t'as vos yeux ici. Vous voyez, comment faut, regardez, hein? La femme s'est fait quoi? Continuez à mettre les têtes de mots. Les têtes de mots aussi, ça fait partie des revendications de Facebook. C'est pour ça que Mark Zuckerberg a mis les têtes de mots. Hmm? Maman, elle est finie comme les funérailles de Fokwe. Maman. qui aurait su? Quand je dis tu vas aller, elle va maintenant chez les comment on appelle ça? Elle va maintenant chez les Bassa. Elle va commenter aussi chez Parme. Tu as oublié comment tu avais fait avec Parme ça ici, les enfants de Parme ça. On les mettait les petits bouts, les petits pois avec les petits bouts. Boum, 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 qui partent à l'école ici, les deux petits jumelles. Tu as oublié quelqu'un? On m'a droit aux toilettes, on m'a fait ceci, alors que tout ça c'est le mensonge. Tout ça, tu mens tellement sur toi-même, sur tous les gens, sur toute ta famille, sur tous les gens qui sont autour de toi. Que tu as besoin d'avoir des gens qui te croient. Les gens t'ont cru, mais maintenant les gens ne te croient plus. Ils ne sont pas cru que tout. Tu m'as jamais entendu un jour que j'ai mis la langue ici, dans les fesses d'une femme. Tu m'as jamais entendu que je suis parti faire la pute quelque part. Je me suffis comme je peux, j'ai fait ma vie. Tu étais où au Cameroun? Quand nous on était au Cameroun, parce que nous on ne te connaît pas au Cameroun. Hein? Tu as grandi dans quel quartier? Je ne sais pas. Tu étais dans quel coin au Cameroun? À Douala? À Douala ou à Yaoundé? Mouf! À Bassam, attends. Mouf, on ne plaît pas ici. Tu fumais le bang avec qui? Tu me faisais le muscadou à l'époque avec qui là-bas? Quand on ne te connaît pas, donne ton parcours avant d'arriver ici. Et c'est que tu as atterri en Bénin, tu as atterri en Allemagne, chez une dame là. Une dame Bassa qui t'a accueilli. Et tu quittais là-bas pour aller. Fleur de lit, fleur de mes fesses, oui. Voilà. Donc, comme samedi, j'ai fait mon anniversaire. Même si on n'a même pas de champagne. Tu vas voir comment je suis belle, classe, élégante. Je n'ai pas demandé aux gens de me donner. C'est mon agent personnel. Quand toi, tu dors, moi, je me lève le matin pour aller laver le sol. Il aurait su que madame dit que moi pour laver le sol. Mais je me suis mis à ma place. J'habite ici depuis. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Quand les gens se mettent les têtes de moi comme ça, ce n'est pas bon pour ma page. C'est une page monétisée. La page est monétisée par Yupougon a retiré les monétisations dans ta page. Tu peux mourir. Tu aurais cru que la moitié de continuer. Vous avez dit quoi? Par la tête devant, non, la voix, je vais pas revenir. Voilà ma monétisation qui est là. Ta monétisation de ça. Toi, tu as quoi aujourd'hui? Zéro. Mmh. Interdit, en tant que je suis interdit bancaire en France. Carte MAP, carte PCS. Hein? Hmm? Et bien, carte PCS, MAP, carte. Tu as carte PCS, moi je suis à la CIC. Et je suis aussi à la poste. Oui? Est-ce que tu ouvres n'importe quel compte à la CIC? Interdit bancaire, voilà Yupougon qui a pris votre argent jusqu'à prendre vos pages, jusqu'à vous payer à Facebook. Qui a appelé ma page là que roi? Vous allez signaler, ça va faire quoi? Vous signalez, ils vont me dire qu'on a signalé. On me dit même les noms des gens qui ont signalé. Quand on n'est plus rien, monétise ta page. Voilà des gens partent monétiser la page de la Lionne RT. Pourquoi des gens n'ont pas monétisé ta propre page, toi? Mais parce qu'ils ont peur de toi. Pourquoi des gens n'ont pas monétisé ta page?
Mais elle avait le droit de elle pour tout le monde pour manger sur la page parce que tu n'as pas les papiers. Et que tu avais peur que finalement, comme elles sont souvent, elles font sur les vidéos dans leur page là, des abrutis à paix de manfo là, qu'elles prennent ta page. Hein? Et pourquoi on a pris ta page? Non, bon. Tu ne fais plus rien, tu n'es plus monétisé, tu ne gagnes plus rien. Le monde, s'il veut gagner des millions, toi tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Courir toujours devant. Je cours, moi je cours derrière. Regarde, j'ai mes petits publicités, nouveau Mazda. Mes petits publicités. Hein? J'ai mes publicités, toi tu as quoi? Allez-y. Tu insultes qui? Je suis comme toi, je suis ton ami, on se connaît, je marche avec les filles de Lille. Hein? Tu as été, tu n'es plus. Accepte ça. Parce que tu as raté ta vie. Oui. Moi, j'ai dit que tout le monde court. Et si tu es derrière. Mais c'est, on dit souvent que les derniers seront devant. Oui. Un jour, ma grand-mère est partie à l'église. C'est elle qui raconte. Donc, elle arrive à l'église. Comment on sait souvent qu'elle a sa peste devant nous. Maintenant, on lui a mis derrière. Surtout, connectez-vous, abonnez-vous sur la page PIS. Le pasteur, nous c'est le pasteur, les catholiques, ils ont quoi? Il est parti chercher ma grand-mère derrière, venir s'asseoir dans sa place et mettre la fille là derrière, la fille sortie de l'église. Oui. Moi, je cherche, j'attends toujours mon rôle, mon tour. Et mon tour va arriver de prier à Facebook. Et je brille là depuis des années. Je n'étais pas attendu pour prier. Tu m'as fait du mal, il faut accepter. Tu n'as jamais demandé pardon aux gens que tu as fait du mal. Toi, tu me connaissais où? Tu m'as fait du mal. Oh, j'ai une petite fille de 18 ans. Hey. Oh, mon mari, j'ai tué mon mari avec la matière. Tout ce que tu as fait sur moi. Maintenant, que tu as dit là où c'est devenu, moi, je suis avec Pouikou et tout. Je l'ai pardonné toujours. Et c'est une jumelle ne pardonne pas. Toi, je ne te pardonnerai jamais. Et tu vas aller brûler en enfer avec ton mensonge. Pose une publicité. Toi-même, tu vas partir dans 3 jours. Tu vas retrouver des gremons bientôt. C'est quoi? Les étoiles sont bloquées ce soir. Première vidéo sans étoiles, deuxième vidéo sans étoiles, ça veut dire quoi? Ne mettez pas. Moi, j'ai mes petites publicités qui me passent. Hein. Elle dit que Air France, la meilleure compagnie, laissez ça. Oui. Même Cameroun Airlines à l'époque. Oui. Tu vas avoir le panari, la personne qui m'était de moi là. Tu auras le panari toute ta vie. Toute ta vie, le panari t'attend. Tu veux la défendre par rapport à quelqu'un comme ça, ne sert à rien. Ma page est monétisée. Attends, non. Vous pouvez signaler, dès que vous signalez, tout cela, ils m'écrivent qu'on a signalé. Et ils me demandent de conserver la vidéo, ou bien je veux porter plainte aux gens qui ont signalé. Comme je n'ai pas dit des longs discours, des longs, tout de méta, je dis seulement que supprimer la vidéo. Attends, non. Donc, même si après on va m'écrire, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, la vie c'est comme ça. Quand on n'est plus rien, tu es fini. Quand on est toujours dans le jour de mon anniversaire, dit que comment je bois les moscados. Qui apprend les moscados ici à Facebook? C'est toi qui commences à boire les moscados ici à Facebook. Tu étais sous, toujours sous dans tes vidéos. À l'époque, les moscados étaient encore violents. Ils ont baissé le prix des moscados, il y avait l'alcool dedans plus que dans tous les huit. C'est après, maintenant qu'il y a vous qui avez les morts, il y avait beaucoup de choses, qu'on a baissé le volume des moscados. Muscado, tu buvais un verre. Le deuxième verre, tu étais à KO. Je vous dis. Qui a amené le muscado aussi? C'est toi qui a amené tout ça. Si j'ai dit que je prends le muscado, ça fait quoi? C'est pas en vain. Toi, tu ne bois pas ça. Et tu as fini une bouteille. Tu es sûr de qui? Je ne suis pas de ton acabis. Toi et moi, on n'a jamais vécu. Montre-nous, tu as. Parle-nous pas de toi. Qui te connaît vraiment? Qui te connaît quelqu'un? Qui te connaît les réseaux sociaux? Question. Hein? Maman, vous ne partagez pas. Hein. Ça descend plus tôt. Vous riez avec moi, parce que je commence à bloquer les gens ici. Tu as tâté toutes les soirées parisiennes. Toi, si. Mais ton mauvais cœur, tu es mort, tes choses se finissent. Aujourd'hui, quand tu vois les gens. Partagez-moi les directs, les filles. Partagez-moi. Vous êtes là, vous ne partagez rien. Je ne sais pas ce que vous foutez là. Je vais bloquer toutes ces personnes qui sont là si vous ne partagez pas. Parce que quand c'est chez ma berbère, là, vous partez biper les autres personnes. Bipez-moi tout le monde qui vient partager mon direct. Bipez-moi même ma star qu'elle vient s'asseoir là et partage mon direct. Vous ne partagez pas, je bloque. C'est tout. Sauf si vous n'êtes pas intéressé avec le Njapapsi là. Parce que c'est elle qui insulte les gens. Quand je vais faire la reprise, vous venez dire que non, il faut que je laisse.
Alessia Diamanté, tu as partagé. Sidonie Koloko partage. Team de Jésus partage. Véronique Amas, tu as partagé. Amida Idrissou, tu as partagé. Anne Rose, tu as partagé. Tu as partagé. Sidonie Eyenja, tu as partagé. Vivina Torbet, tu as partagé. Karen Chougaf, partage. Charlotte Charlotte, partage. Marie-Mélanie Angé, partage. Même les détracteurs, partagez avant de venir ici là. Sinon, je vais vous bloquer. Vivienne qui est là, partage. Kira Kira, tu as partagé le direct. Chali Kameni, tu as partagé. En tout cas, Kameni, c'est un grand nom. Partagez-moi le direct, si. Parce que moi, je dois dire, on doit enterrer ma berberie. Après demain, le 5, on doit enterrer ma berberie. Oui. On doit finir avec elle. On l'enterre. Elle doit mourir. Elle ne doit plus vivre. Elle ne mérite pas vivre. Tu as compris quoi? Ok. Sale pute, fils de pute, fils de ngoy. Je ne voyais pas ton commentaire. Bloc. Je bloquais la bordel, la putain de bordel qui était là. Elle espionnait mon direct. Fils de pute que tu es. D'accord. D'accord, Sidonie. La fille de pute que j'ai bloquée là, elle est venue raconter quoi. Et c'est là, elle bloquait là. J'ai bloqué la mère de la poufiasse, l'enfant de chien. Ma berberi, tu n'as pas entendu comment ma berberi, Mungoyi, tu n'as pas entendu comment ma berberi t'a insulté, que toi tu... La seule chose qui est intéressante sur toi, c'est seulement que tu baises avec les chiens. On te connaît comme tu baises avec les chiens. Kenka m'a dit, na sorcière. Mami Mboma. Mboma, maman a gode. Maman a tiré ses valises. Maman qui envale tout le monde. Tu as envalé Ngringa Mandja gonfle. Tu bois son sang. Regardez comment Ngringa Mandja est en train de gonfler. Elle est en train de gonfler. Dans le ventre de ma berberi, de Ngoyi Mboma, de Nkenkam. Nkenkam a envalé Ngringa Mandjan, elle compresseur. Elle a été de pleurer au Cameroun. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai donné, je suis né de nouveau. Je suis renaissance. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien. Tant que tu ne quittes pas derrière Mami Mboma, hein. Mami Mboma va te finir. Tu vas t'exploser. Maman a gonflé, gonflé. Maman a gonflé, gonflé. Partagez-moi le direct parce que aujourd'hui moi, je ne ris pas. Je ne suis pas venu pour rire avec les gens. Oui. Je suis venu ici dire les vérités. À ma berberi. À ma Mimboma aussi. En Kenkaman a tiré ses valises. La seule femme qui a assumé les godes. Demain, connectez-vous aussi à l'aise. On va faire un direct à minuit. Je vais aller. Je vais commander les godes tout de suite. Je vais commander les godes tout de suite là. Demain, on va faire le live avec les gourdes. Demain, tout genre de gourdes. Je vais dépenser 100 euros pour payer les gourdes. Je ne sais pas, 20 euros, je paye 5. On va faire un direct. Merci, mon bébé. On va faire un direct spécial Ngoyi. Spécial Mami Mboma. On va porter que les gourdes, les silicone, tout ce qui est artificiel, on va déposer sur le direct. Parce que j'en ai mal que Mamberb et Ngoyi fassent semblant qu'ils s'aiment. Pourtant, c'est des deux sorcières. Qui sont sur Facebook. Ces deux sorcières. Ma berberi, celle qui a appuyé son mari comme ça. La boue, appuyé comme ça. Appuyé le cou de son mari. Son mari est mort. Aujourd'hui, je dis qu'elle a 3 jours pour vivre sur terre. Vous venez pleurer quoi? Elisabeth de Guémont a 3 jours pour vivre sur terre. Dès le 5, elle part. On va trouver les asticots dans sa maison. On va ramasser les asticots, aller jeter. Dans la forêt de la mer en Afrique, là-bas. Parce qu'elle ne nous sert à rien. Elle nous sert à quoi? Elle nous sert à quoi? Dis-moi, Loïc. Elle nous sert à quoi? Regarde comment. Même la maman Honorine, tu as gâté ses soins. Tu gâtes tout. Tu gâtes tout. Tu nous as trouvés ici à Paris. On avait nos soirées passées. Chaque mois, on savait qu'il y avait une soirée quelque part. On partait, on dansait. On était la communauté camerounaise, on partait, on dansait avec nos maris et tous nos copains et tout. On dansait. Depuis que tu es arrivé, tu as tout arrêté. Voilà. Vous avez compris à quoi? Tu es venu pour montrer que tu es la numéro 1. Tu as fait à la Goya, la numéro 1. Goya a gâté toute la soirée de la France. Tu redoubles les zéros, tu ne vaux rien. Tu es la racaille de la République, même le Camerounais. La France ne te connaît pas. Le Cameroun ne te connaît pas. Oui. Tu as déjà été invité par quelle autorité?
Le karma t'a appris, le vrai karma, tu parles à qui? Je n'ai pas peur de toi. La galette est tous déjà là, comment tu tires les valises? Tu as entendu mon histoire à Facebook, mon histoire c'est les coloris qu'on raconte chaque temps. Oh, je l'ai fait comme ça, je l'ai appris la drogue. Oui, j'ai plus, ça fait quoi? Mais tu prends chaque temps. Pourquoi quoi tout t'a mis ou pas? Tente seulement de faire la procédure comme tu dis là. Ce sont tes enfants. Ne pas que ce n'est pas ta femme, que tu la refuses, que tu as même être avec elle, pourquoi tu la suis toujours? Elle s'assoit que je veux faire, tu veux faire quoi? Pourquoi que tout? Nous on est là. Tu ne peux rien faire. Tu es à tout des murs. Quoi que tout aujourd'hui, demain, après demain? Je dis que demain, après demain, avec quoi que tout? Oh, c'est ça. Tu ne peux rien, ma chérie. Tu attends, non, tu as raté ta vie, tu n'as pas honte. Même la monétisation, tu as raté. Oh, oh, oh. Oh, oh. La vie, c'est la chance. Oh, oh. Oui, quoi, tout t'a vu. Tu as fait venir tous les enfants, tes deux enfants, les garçons, la petite noire, là, avec l'argent des abeilles. Tu as fait quoi? Question. Hein? Tu as payé 7000 euros pour faire venir ta mère chez Séraphine, chez Teresa, à Compiègne, là-bas, tu as remboursé. Ingrate que tu sois. Le désordre est collectif, mais les chefs personnels, tu attends, non? Moi, je t'affronte quand tu veux, parce que tu as fait ici. Tu peux faire quoi? Qui? Tu peux taper qui? Tu es là. Tout le monde est violent. Regarde-toi, tu vis où? Tu as quoi? 8 mois de voyage sans payer. Elle se dit star. Elle voyage partout. Regarde les Man West. Regarde les gens qu'on ne connaissait même pas. Avant, Yupougon n'était pas au courant de Yupougon à Facebook. On était au courant des Camerounaises. C'est nous qui avons commencé les clashs. C'est nous qui avons commencé tout à Facebook. On est aujourd'hui. Derrière. C'est les Yupougon qui arrivent, font leur soirée, on t'invite même plus à leur soirée. Parce que tu déshonores. Tu déshonores tout le monde. La vie, c'est l'âge. Mettez les cœurs. Dire que je dois encore mettre les cœurs. Moi, vous êtes 300 personnes, regardez là. Les gens suivent ma page. Vous n'arrivez pas à partager un direct. Ça va se passer très bien, ça va se passer très bien, ma chérie. Ma belle, quand elle est ici, elle a 300 personnes. L'anniversaire qu'il faut payer. Avant que je voyais les commentaires, on te amène ton moscato, moi je donne à manger. On boit, on envoie l'anniversaire, c'est ça. J'attends, non, je suis la dernière de Facebook, non. Nous voici devant. Tu vois là qui parle maintenant. Tu vois là maintenant qui court derrière Ngossa. Maintenant c'est Ngossa. Ngossa m'a dit, ma cour, t'as les cours de ça. Maintenant c'est Ngossa qui est devenu ta cour. Tu l'aurais su. Tu dis que tu t'appelles Ngoui. C'est Ngossa qui a dit que tu t'appelles Ngoui. Wow. Allez, ça bande. Ngossa, t'a tenu tête ici à Facebook aujourd'hui. Là, tu n'as même pas honte. Tu déshonores les barbecues. Tu déshonores les abeilles. Tu déshonores tout le monde. Tu peux encore crier ou chez Ngossa. Ma pépé. Elle t'a dit que je suis illettré. Je ne suis rien. Mais aujourd'hui, tu as vu que chez nous là-bas, c'est non grata. Chez moi, là, c'est marin. Tu vas aller où? Tu cherches quelqu'un. Je viens de lire un commentaire. Cet commentaire, je ne voyais pas. Ma berbère encasse la chicotte, on promit la bastonna à Tata Lolo. Ma berbère, je te promets, je serai en franc en masse. Tata a partagé le direct là. Elle a partagé, oui. Ma berbère, je te promets, je serai en France, même pas en masse. Je peux faire une escale, je pars en Afrique, je change mon vol, je descends en France. Ma belle-mère, si tu essayes que toi tu pars au Cameroun en décembre, je te promets le bastonnage. Je vais t'attacher. Je viendrai en domicile chez toi à Saint-Malima. Je te bastonne bien devant ta mère. Tu as compris quoi? Toi, Incas, je connais les fréquentations d'Incas. Je connais les gens qu'Incas fréquente. Elle fréquente le petit PD qui est au Cameroun là. Je suis obligé. Excusez-moi, mon petit frère. Mon frère. Je connais les fréquentations. Dès que je sens qu'un casse est là-bas, un casse, je te promets aussi le bastonnage. Vous, des petits femmes, vous voyez où? Tu as même la force pour parler aux gens qu'un casse la chicotte. Une vieille pute comme toi, tu as chanté quoi, un casse la chicotte? Qu'est-ce que tu as? C'est pas toi qui es allé léger. Tu as failli gaspiller le mariage de Elise Bangala ici. Le jour de son mariage, tu l'as pris ici en lune de miel. Tu es parti lécher son tort dans le noir. Elle a failli refuser de signer le mariage avec son mari, avec le pasteur, avec le prêtre. Quand tu oses parler avec les gens, toi, une sale femme qui a perdu sa vie, une sale femme camerounaise, je n'ai jamais vu. Une rate, la plus rateuse des filles sur Meta. Une casse la chicotte a fait le mariage de une semaine. Son mari l'a amené à la mairie.
Le mari a fui après une semaine. Le mensonge de ça. Il casse la pub de toute femme de Facebook. Il casse la chicose d'une femme qui n'a pas. Hey, tu ne peux pas oser à t'ouvrir ta bouche, Nkas. Tu es une